fais quoi? Dessine. Encore? Oui. Tu vas rester là longtemps à regarder comme ça? Bah quoi, j'aime bien te regarder. Tu dessines quoi là au juste? Mon état d'esprit. Arrête. Quoi? Regarde pas. Quoi, ça te vexe? Non. Tant mieux. Ah mais bon, on fait quoi là? Ben moi je dessine, toi je sais pas. C'est bon, t'as toute ta vie pour dessiner. Non. Pardon? J'ai dit non. Ok, mais ça va, t'énerve pas. Hein. Et ben, de me poser des questions alors. Dis. Quoi encore? Tu vas en faire ta vie du dessin? J'aimerais. Et tu vas? Non. Pourquoi? Parce que. Non mais dis-moi, pourquoi? Tais-toi. C'est ta passion ou quoi? Mais oui, c'est ma passion. C'est ma vie même. Je vis pour dessiner. Et toi, c'est quoi ta passion? J'aime bien les jeux vidéo. Non, mais je vais pas en faire mon métier. Ah oui, et pourquoi pas? Oh, je sais pas. Tu demandes à ton père et c'est fini, hein. Ouais, ouais. Bonne blague. Non, mais je suis sérieuse, t'es riche, tu peux faire tout ce que tu veux. Non, mais ça veut rien dire, ça. Ah si. Bah non. Bah pour moi, si. Pourquoi t'es de mauvaise humeur aujourd'hui? Oh! Je te parle là! Ah, j'aimerais que tu cesses! Mais quoi, de faire quoi? De me parler! Pourquoi tu penses que moi je peux vivre de ma passion et pas toi? Mais parce que je le pense, c'est tout! Non mais c'est pas parce que tu le penses que c'est la vérité. Si. Ok, si tu veux, bref. Mais écoute, fais pas comme si tu savais rien. Attends, non, où tu veux en venir en fait là? Ah bah ok, je vais t'expliquer. Je suis plus intelligente que toi. J'ai des meilleures notes que toi. Sauf que je suis plus pauvre, du coup ça me ferme plein de portes. Ouais, alors attends. Non, tais-toi, c'est moi qui parle. Vas-y. Ça me ferme plein de portes. Je peux faire aucune université digne de mon intelligence. Tu comprends ça? Tu comprends pas. Parce que c'est pas ton problème, et ça ne sera jamais. Tes parents peuvent te payer toutes les universités que tu veux, sans que tu aies des notes exceptionnelles. Et tu sais quoi? Ça tombe bien puisque tu ne les as pas les notes. Putain. Et tu sais quoi? Ça sert à rien que je termine ce dessin. C'est une perte de temps. Une perte de temps. Et tu sais quoi? Putain, mais c'est injuste. Et tu vas rester là encore longtemps à me regarder comme ça? Je sais pas, tu m'as demandé de me taire. Et je joue pas sur les mots, ça m'énerve. Pourquoi tu t'en prends à moi comme ça? Mais parce que t'es là! Vraiment? Oui! Mais c'est quand même pas de ma faute si mes parents sont riches. Et c'est de la mienne si les miens sont pauvres? Non. Tu crois que je les ai achetés ces crayons? Bah même pas. On me les a donnés. Et qui te les a donnés? En quoi c'est important que tu le saches? Réponds, s'il te plaît. Professeur d'art plastique. Et pourquoi ta prof d'art plastique te les a donnés? Parce que j'ai fait le plus beau des dessins. Ah non, tu vois, parce que t'as du talent. Non, parce que j'ai fait le plus beau des dessins. Est-ce que tu peux arrêter de voir le verre à moitié vide? Mais on vit dans une société de corruption, tu comprends ça? Où les plus riches, c'est-à-dire les plus forts, dominent. Ok, d'accord. Mais tu sais, il existe des bourses. Oui, je sais. Ah, tu prends une bourse, tu... Ouais, non, j'avoue, non, oublie, c'est pas suffisant, en fait. Sans blague. Désolée d'être si insupportable.
Est-ce que tu m'aimes? Pardon. Est-ce que tu m'aimes? Tu me demandes si je t'aime? Non, je te demande si tu veux une glace. Quoi? Comment ça, quoi? T'as pas répondu à ma question, là? Je peux pas répondre. Pourquoi? Parce que je peux pas. Tu m'aimes pas, c'est ça? Je te parle. Hé. Hey. Réponds-moi. Réponds! Arrête de crier, tu m'as fait peur. Tu vois le dessin que t'as déchiré là? Oui. Tu viens de me faire exactement la même chose. Tu vas où? Tu vas où? Reste! Loin de toi! Reste, s'il te plaît! Lâche-moi! Je te supplie. Je peux pas t'aimer. T'es trop pessimiste. Vraiment. Tu trouveras mieux, et puis pourquoi moi? Parce que c'est toi. Désolée. On n'a même pas essayé. Comment tu peux être sûr que ce sera un échec? Parce que je sais. Parce que tu sais. Ouais, comme le dessin. Tu vois, t'es persuadé que tu peux pas en vivre, alors qu'en fait, si. Commence pas. Non, mais c'est vrai. Dis-toi que si tu veux avancer dans la vie, va falloir vraiment que tu changes de comportement. Essaie d'être un peu positive par moment. Je sais pas, essaie d'être... Voilà, essaie d'être rêveuse. Ambitieuse. Sois un peu ambitieuse, comme moi. Mais ambitieux de quoi? Tu peux tout avoir. Bah non, figure-toi que non. Ah oui? Et qu'est-ce que tu peux pas avoir? Une peau blanche, peut-être? Très drôle. Non, mais je suis sérieuse, dis-moi. Qu'est-ce que tu ne peux pas avoir? Toi. Je peux pas t'avoir, toi. Je suis pas indispensable à ta vie. Si. Non. Hey. Je serais prêt à acheter ton amour si je pouvais. Je te demande pardon. Non, alors attends. Répète ce que tu viens de dire, là. Non, non, je crois que t'as mal compris. C'est pas ça que je voulais dire. Donc là, t'es en train de dire que je suis un objet, que tu peux acheter et revendre. C'est ça que t'es en train de dire, là? Non, non, je parle. Non, c'est pas toi. J'ai dit que j'achèterais ton amour. Tu rêves, mais comment c'est possible d'être aussi bête? Je suis désolé, ok? T'as mal compris. C'est pas ça que je voulais dire. Je m'en veux, je suis idiot. Oui, tu l'es. Tu veux pas de moi? Je veux plus de toi. Je comprends plus rien. Il n'y a rien à comprendre. L'amour ne s'achète pas.